On a l'argent, c'est commun en fait. C'est pas une cagnotte de chacun. L'argent est normalement est commun, commune. D'accord. J'y pense là. Trop bien. Là, j'ai envie de faire mon petit coin jardin là. Il faut que je déblaye à gauche de ma maison. Et juste là, un petit géranium. Bienvenue à Jardiland. Mais non, c'est Mission Cléopâtre. Ah, qui c'est qui fait la grasse mat? Je crois que c'est Nino qui fait la grasse mat là. Ah, je la comprends. Couper du bois et tout, c'est fatigant. Ouais, moquez-vous, moquez-vous. On n'est pas comme ça, voyons. Et c'est parti! Ah, il pleut. Il pleut, bergère. Du coup, je crois que quand il pleut, il n'y a pas besoin d'arroser. Oh, trop bien! C'est tellement RP en vrai. Merde, j'ai pas pris le bon outil. Le pire. Ça donne tellement envie de faire une aventure Minecraft. Terrible. Bon, la pluie a rempli la gamelle du chat. Oh! Attends mon retour à l'aube de ta troisième année, grand-père. Ah, toi, t'as trouvé Il y a la une grotte, non? tombe. Mais il y a une tombe. Ouais. Elle était juste à côté de chez moi, c'est là où je voulais faire mon petit jardin. J'ai envie d'explorer la grotte après avoir cette minerai et tout. Ah, donc là il y a une maison. Donc ça c'est chez qui? La bleue, le vert C'est bleu. chez moi celle-là. D'accord. T'as la tombe juste en haut à gauche. Ah, donc il est pas mort. Bah ou alors il revient en mode fantôme. Oh, la maison en pierre de Nino. Elle est stylée sa baraque hein. Ah ouais. On Ça voit fait un les favoris hein. chalet de montagne, j'aime beaucoup. Ouais, mais on voit les pistonner hein, de toute Ah, façon. je viens de Enfin, récolter de la fibre, c'est pour aller plus vite. tu auras une meilleure connexion, C'est lol. ça, connexion avec la nature. Alors, ce que je vous propose, Ah. on joue un petit peu en équipe. Parce que là, actuellement, moi j'ai fait une plantation devant chez moi, j'ai mis mon coffre. Jake, je crois que t'as fait la même chose, mais à la fin, on va avoir une ferme pour tout le monde. Qu'à la rigueur, il nous faudrait un endroit où on met les coffres. Là, on laisse planter nos panais. Anaïs. Et puis, quand ils sont bons à maturation, on essaiera de faire un début de vraies plantations, on va dire. Il faut penser collectif, les garçons. Oui, tout à fait. On me souffle dans l'oreillette que Évidemment. dans la grotte juste en haut, par la suite, il y aura des champignons Oui. très rapidement. Et je viens de trouver une quatrième maison. Bah bon. Oh mon dieu, elle est. Il C'est la sorcière y en a qui qui. sont habités là. C'est quoi ça? Ça fait du slip? Je sais pas, c'est peut-être des teufeurs. Ah ouais, c'est peut-être des hippies. À propos de hippie, j'ai découvert un chocolat IRL. Hein. C'est le chocolat hippie. C'est certifié bio, rainforest, commerce équitable, tout ce que tu veux pour les bons producteurs. Avec un petit, il y a une pointe de caramel et de sel dedans. C'est une tuerie. Chocolat hippie.
c'est vraiment. C'est vraiment une tuerie. Voilà. C'est la parenthèse chocolat. La maison abandonnée, il y a Kipon qui fait c'est moi qui vous ai rejoint, Scred. C'est vrai? Non, c'est pas vrai. Mais en vrai, il y a Kipon. En vrai, il y a Kipon, si tu veux, tu peux. Hein. Ouais, mais y a qui, il a l'air de bien connaître le jeu. Oui. Il va nous PL ça. Oh là, tu es ma petit géranium. Mais c'est ça. Le petit géranium, il va revenir souvent. Ouais, c'est ça. Qui va arriver dans 3 jours, on a un jardin tout complet. Mais je sais, il y a Kipon. Il va bientôt reprendre le travail, donc ça va être compliqué pour lui d'être sur ces horaires-là. Il fait pas d'efforts. Hein. Oh, ils sont, sont pas trop non plus. Hein. Je l'accède à la quatrième maison juste parce que ça me rend triste de l'avoir aussi mal comme en ça point. Abandonné. Ah ouais. Bon, je t'entends très gêne un peu. Ah oui, quand je dis mystique, ça comprend aussi les bruits dans leur... et plein de créatures qu'on pourra croiser. Dans la maison. Ah bah y a un cadeau dans la maison, tiens. Ce paquet appartient à quelqu'un d'autre. Ah, je peux pas le piquer. Oh, je croyais que c'était comme une autre terre tout ça. Bah ouais, attends, ça veut dire quoi qu'il y a un quatrième joueur? Non, c'est prévu comme ça, au cas où si quelqu'un peut rejoindre par la suite. Est-ce que vous avez des géodes à faire expertiser? Oui. Je pense que je vais aller faire un tour. Oh bah peut-être c'était mon coffre, j'ai à détruire. Tiens, j'en ai deux. Attends, je vais remettre ce que j'ai dedans, je vais les remettre dehors. Ça, si tu veux, tu peux expertiser ma géode. Alors comment est-ce que vous voulez qu'on donne au musée ou est-ce qu'on est des égoïstes? Non, le musée c'est intéressant. Parce que par la suite, ça nous permet de rattraper d'avoir d'autres choses. Donc tout ce que les premiers exemplaires, on donne au musée. Ouais. Par contre, j'ai une question. Okay. Là, t'as qu'à m'accompagner. Ah voilà, vous passez par le coffre pour vous échanger les objets. Voilà, on peut pas jeter un truc par terre. Non, je crois que t'es obligé de passer par. T'as récupéré ma géode déjà? J'ai déjà mis ça. Oui, j'ai récupéré tes deux géodes que t'avais. Et Jack, tu as des géodes ou pas? Non, que dalle. D'accord. Allez, Imra, viens. On va faire un tour en ville. Arrête de taper des cailloux, là. Faut sortir, Imra. Allez, Imra. Je tape ce que je veux, hein. T'es pas confiné, là, dans ce jeu. Bah, techniquement, c'est du travail d'agriculture. Il fait pas très... Donc, là où je crois que t'es ménage, hein, c'est... Tu vois, c'est là où on est arrivé, normalement. Oh, incroyable. Incroyable. On peut utiliser le bus? Il sert à quoi? Le bus, plus tard. Mais oui, c'est pas utile. Là, c'est la ville. Oh, il y a une vraie ville ici. Mais oui, il y a une vraie ville. Donc là, t'as la mairie avec à côté, c'est le marchand du coin. C'est vrai. Voilà. Je te laisserai faire un tour, mais il y a de tout. Il y a même un saloon avec des mini-jeux. Parce que on va arriver à la... on va pas réussir à arriver chez Forgeron avant qu'il ferme. Attends, je sais plus comment on passe. Il y a un pont, je crois, en dessous là. Ah, bah, mais. Alors, là, il y a un pont. Et là, il y a le Forgeron. Donc... ça c'est le bibliothécaire. Ah, le forgeron est là. Mince, c'est fermé. Ah, on est arrivé trop tard. Voilà. On va repasser demain. À 16h. Du coup, on continue. Donc, là, t'as le forgeron. Tu viens faire expertiser. Là, t'as la bibliothèque. Où tu peux badonner, faire des donations. Ici, t'as un petit fleuriste, je crois, qui ouvre en été. Ou une saison particulière. T'as les maisons des locataires, faut pas hésiter à aller leur dire bonjour, ils sont pas méchants. T'as le cimetière du coin aussi, mystique, hein, toujours, blabla. T'as les égouts, on y passera plus tard aussi.
Est-ce que la mairie est encore ouverte? À Non. cette heure-là, ils sont. Regarde, à cette heure-là, ils vont tous au saloon. Tu vois? Allez, viens, Tout on le va au monde saloon. Tu vas voir, on alcoolique. va croiser du monde au saloon. Moi, je reparle à mamie. Elle m'a demandé de l'appeler mamie, du coup, je l'appelle mamie. Tu veux un repas chaud? Oh, c'est incroyable, il est énorme ce saloon. Moi, je veux la réserve, Ah oui. je veux piller toute la Tu peux réserve. t'amuser aussi à fouiller les poubelles, mais il faut pas te faire prendre. Il y a un truc là derrière. J'arrive pas à cliquer dessus. Ah, mon super Saiyan. C'est incroyable. Ça, c'est l'ex de Yaki Ponce. J'ai envie de leur envoyer des trucs. Ouais, je suis comme ça, moi. Bon, en vrai, c'est stylé, hein. Du coup, tu peux jouer au mini-jeu là où il y a tous les Ouais. jeunes. Il y a trois mini-jeux, ok. La voiture du roi de la plaine. Ah, donc c'est le coin des ivrognes ici. On y met des QSD, c'est pas du tout cette QSD, mais. Ah ouais, oh là, le truc. Il y a un truc en mode t'as un record à battre? Moi je peux passer des heures là-dessus par Je contre. Hein. crois. Ça c'est horrible, je vais vouloir penser le truc là. Faites attention à l'heure. Je suis en train de jouer. Incroyable. Ok, hop, je vais retourner comme non. C'est prenant hein, ces trucs à la con là, ces mini-jeux. Capable de faire des journées juste dessus quoi. Salut Draken. Ouais. C'est qui traîne? Bah il m'aura. Je vois pas de quoi tu parles. Qui c'est qu'on a perdu sur les jeux? J'aurais jamais dû lui montrer le saloon. Imara, il va dépenser tout Après. l'argent qu'on gagne dans les jeux vidéo. Ah bah carrément. Attention. Moi, tu me montres un truc comme ça, c'est terminé en fait.